Ce jeudi 25 janvier, TMC diffusait un nouvel épisode de l'agence lors duquel Valentin Kretz prend une grande décision pour son avenir. Partira, partira pas? Depuis le début de la quatrième saison de l'agence, le docu-réalité qui raconte le quotidien d'agents immobiliers spécialisés dans le luxe, Valentin a dévoilé son envie de s'envoler pour New York avec sa femme Sharina Sart et son fils Noah. Le second fils de la fratrie avait déjà confié à propos de la ville américaine, à chaque coin de rue, j'ai un souvenir qui remonte. L'idée de revenir à New York, j'essaie de ne pas trop y penser parce que si est-ce une idée qui pourrait vraiment me plaire. Chaque fois je reviens, si est-ce la même émotion, la même ambiance, si est-ce une de mes villes préférées au monde et n'y avoir passé qu'un an, si est-ce presque frustrant. Point mon Dieu, ça va être génial, Sharina Sart, l'agence, s'enthousiasme de son départ pour New York avec son mari Valentin Kretz lors de ce nouvel épisode diffusé ce jeudi 25 janvier sur TMC. Valentin revient aux côtés de sa femme dans le lieu où ils se sont dit oui lors d'une magnifique cérémonie à Marrakech. Un retour vers le passé qui a fait ressurgir ses projets d'avenir. Pourquoi pas partir un mois à New York pour développer l'agence là-bas et avoir une nouvelle aventure? Demande-t-il à Sharina. Une proposition acceptée avec enthousiasme par la créatrice de mode internationale. Mon Dieu, ça va être génial, s'exclame-t-elle. Me replonger dans le passé CIST comme un déclic et je me dis que New York CIST peut être la future page que j'ai envie d'écrire avec Sharina et Noah, confie le fils de Sandrine et Olivier face caméra après avoir fait des confidences sur sa relation avec son épouse. Martin Kretz, l'agence, s'inquiète du départ de Valentin Kretz à New York à l'occasion d'un dîner. Valentin annonce à toute sa famille leur décision de partir un mois à New York. Avec Sharina, ils avaient préféré en amont ne pas en dire plus sur leurs intentions pour ne pas les inquiéter. Mais son grand frère Martin n'est pas dupe. J'ai un peu peur que le mois se transforme en deux mois, en trois mois, en quatre mois en plus long terme, révèle-t-il face caméra, avant de dévoiler ses craintes, parce que je connais Valentin, je connais Sharina, ils adorent, ils ont une mentalité à l'américaine, les deux et pour développer New York, il faut y être mais j'ai un peu peur de me retrouver tout seul à Paris. Récemment, si est-il le troisième fils de la fratrie Louis qui s'est installé à Barcelone avec sa fiancée.